J'ai la saxo, moi. On casse des moteurs. On casse des moteurs, c'est mal. Tu me diras, la saxo, vie, dans pas longtemps, elle va lâcher aussi. Voilà, ça s'appelle casser une bielle. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez. Ça s'est pas très bien passé. Ah non, court-métrage Yardi Yard, bah putain. Ouais. Petropoulos 2.0. Voilà. 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 Gaëtan, j'espère que t'es en forme. Hein. Ouais. Bon, salut les gens. Ça, ça va servir dans les bêtisiers, ça, à la fin. Ah, ça c'est bien ça. On va faire un bêtisier là. Bêtisier là. Comment tu conduis sans les mains, comment t'es chaud? C'est le nouveau moteur électrique. PSR Life, c'est ça. Ça arrive, hein. Casse des moteurs, casse des bielles. La bielle, elle a traversé le bloc moteur. Donc du coup, on est obligé de mettre un petit 3.25 dedans ou un petit V8, on va voir. Toi, il y a un moment là. Putain, y'a un Romain ici. Ah, quel problème. Il faut que j'aille pisser. Devant l'homme Bruxelles, hein. Je sais pourquoi ça fonctionne pas, j'ai retrouvé une soupape. Beau gosse ou pas la soupape? Après tu ramènes les outils, je vais démonter le calcul buffer, je vais regarder. Ça a cassé deux patous. C'est assez pas le porter. Nous avons trouvé quelque chose d'assez extraordinaire dans le calcul buffer. Alors déjà. Monsieur. Déjà. Toi de la mayonnaise, t'as plus qu'à faire une omelette. Tu as une vis à bois, ici là, voilà, regarde, voilà, tu as une vis à bois dans ton cube buteur. Pourquoi? Je sais pas. Et j'ai envie de te dire que c'est pas trop dégueulasse, hein. Ah si, il y a de l'eau. Oh. Ah, il y a de la limaille et tout là-dedans. Ben, ça me paraît chelou, hein. Pourquoi une vis à bois, quoi? Franchement. Je sais pas qu'il y avait du bois dans les moteurs. T'as un trou comme ça, là. Ta voiture, elle a une chatte. Ouais.
Ouais.